Yo, salut tout le monde. Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petit week-end tapé en compagnie de madame. Donc on va au Snickers. Donc ici on est samedi matin, le 15 je pense. Et en fait on arrive hier soir, mais hier j'avais pas trop envie de filmer. Donc ici on vient de sortir de l'hôtel, petit hôtel sympa. Et ici on se dirige vers le Snickers. Donc on va prendre le métro et on a une petite demi-heure de métro et on se retrouve là-bas. Yarabsuki, Yarabsuki, merde. Yarabsuki, YARAPS. J'écris haut, danse et l'inspire. J'crame tant que c'est pas fini. Ouais, comme une pute pousse, on s'écrit gros le gramme. Tant tes yeux par ici, j'y vais de sang froid quand c'est sur mon sol. Et là, j't'avoue que t'es sur ma cible. L'endroit où je vois que des missiles. Et bam, j't'envoie ma peu par missile. On t'a appris à rire, mais pas appris à lire. J'arrive après, à tout allure et au total, j'tue la sonorité. Les autorités, je les ai autant ratées. Car moi, j'peux pas me farcir l'état. J'reste calme et donc sur eux, je m'étire. Et quand on voit que tout le monde s'étouffe, personne ne peut reconnaître ses torts. Mate les mailles, pourquoi tu payes? T'es pas de taille et tu perds de l'oseille. Passe les rails, ouvre tes oreilles. T'es mal ébaillé, il faut que tu viennes. Figé, flagé, te chie sur le trajet. Ouais, j'suis figé jusqu'à flagé. Y'a du te chie sur le trajet. Figé, flagé, te chie sur le trajet. Ouais, j'suis figé jusqu'à flagé. Y'a du te chie sur le trajet. Tu rails dans le hood, on mise dans le flash. Alors que j'voulais des dragies, le rail dans le bono au Mister Cash. Pour faire couler les sachets, des billets, des billets, des billets. Où est le mode d'emploi qu'ils aillent le déplier? J'ai crié, j'ai trié, j'ai prié. Oui, devant toi, j'ai installé les piliers. Je dérange comme si je venais de l'étranger. J'arrête pas d'écrire sur papier. Je m'apprête à passer autant des papis. Tout homme a kiffé le son d'homme sans parler. Sans parler, tu m'écoutes en allant au paquis. Et le rap, c'est plus qu'un talent. Quand je rappe, je suis plus que marrant. Et j'ai laissé passer ces passants en passant le passé. Et Valsan vend des packs, son neveu. Que les parents veulent que tu passes ton bac. Vas-y, passe ton bi, que je dépasse ton jeu. C'est Yarap, négro, ce n'est pas ton jour. Faut que t'arrêtes, faut que t'achètes les bons billets. Ouais, les bons billets. Et faut que j'arrête, faut que j'alerte les bons billets. Les bons billets. Et ouais, je suis figé jusqu'à flagger. Yo, donc on est rendu Snickers. Ici, on est en fait dans la chambre d'hôtel. Donc, regardez ici. Ouh, Lolo. Donc voilà, on est revenu déposer les achats parce qu'on avait quand même pas mal de trucs. Et si on va refaire un tour dans la ville, on va aller chez Clockers, Larry Deadstock, parce qu'en fait Larry Deadstock n'était pas présent au Snickers, chez Meetup Paris aussi. Et j'aimerais bien aussi aller faire un tour chez Afterdrop et Club 75, BEP. Je sais pas si on aura le temps de tout faire, mais on va faire un tour quoi. Je vais pas vous montrer les achats que j'ai fait, je ferai une vidéo. Putain, attendez, parce que j'ai pas l'impression qu'on me voit fort. Ici c'est mieux, je ferai une vidéo par après. Mais ce que je peux vous montrer, c'est quand même j'ai acheté la paire du Snickers. De toute façon, je l'ai mis sur Insta. Regardez, elle est là. Franchement, elle est pas mal du tout. Donc voilà, j'en suis super content. Donc ici, je vais tout vous filmer. Et ouais, Snickers, franchement, j'ai été un petit peu déçu cette année parce que je trouve qu'il y avait beaucoup moins de choix comparé à l'année passée. Sinon, super ambiance et tout. C'était franchement super cool. Et je vais peut-être repasser peut-être cet après-midi si je suis pas à côté ou peut-être demain, on verra. En fonction de ce qu'on veut faire, et donc voilà. Donc c'est parti, et maintenant il est presque 15h et il faut absolument qu'on aille dîner là parce qu'on a la... Ouais, donc on a été chez Clockers, mais il a pris une petite pause jusqu'à 17h, donc ici on va se rendre chez Larry Deadstock, c'est à 800 mètres, donc c'est pas loin. Donc on va aller voir ce qu'il y a à voir et peut-être faire un achat, on verra. Donc voilà, on était chez Larry Deadstock, Meetup Paris, Clockers. Et on n'a rien acheté, on a vu des super belles choses. Simplement, moi j'ai une petite préférence pour le shop de Meetup. Puis on était chez Beb, en fait, qui est juste à côté. Et j'ai acheté un petit truc, mais bien sûr je vous montrerai ça en vidéo. Une vidéo qui va suivre. Et ici on continue de se balader un peu dans Paris, enfin dans le coin. Et puis on rentrera sûrement à l'hôtel. Au soir on fera les Champs-Élysées ou Montmartre. Je ne sais plus ce qu'on a prévu, donc voilà.
Et ben voilà, on a été faire le petit tour des je t'aime en amoureux, petit truc de couple. Puis on était manger petit resto super sympa, un petit magret de canard près du Moulin Rouge. Et puis on a fait une petite un petit tour au Moulin Rouge. J'ai pas voulu filmer tout ça parce que j'ai pas envie de censurer ma vidéo, quoi. Enfin, pas le Moulin Rouge, on a fait la route, quoi, seulement. Et si on va rentrer, il est déjà 22h30 passant, encore un petit peu de marche à faire avant d'arriver à l'hôtel. Comme ça, on est en forme pour demain. Demain, je sais pas encore ce qu'on va faire. Enfin, comme j'ai déjà dit, on retournera peut-être au Sneakerness, mais ça m'étonnerait. On a notre train à 18h, donc sûrement déjà un petit tour dans aux Champs-Élysées. Yo, et ben voilà, on est déjà à la troisième et dernière journée. Madame Lolo, est-ce que tu râles? Elle râle, donc ici on va aller aux Champs-Élysées, on va aller faire un tour, Champs-Élysées quoi, rien de spécial, on essaiera de vous filmer encore un petit peu tout ça. Par contre je sais qu'il y a beaucoup de magasins où ils veulent pas qu'on filme, donc on verra ce qu'on peut filmer et ce qu'on peut pas, et on verra. Si je vais marcher dans ton jeu, c'est que je gagnerai. T'es qu'une paquerette, retiens après ce son que non, je veux pas que tu restes. 6-3 la relève, là je relis. Note pas, j'ai comme d'hab, y'a rien à refaire. On compte prendre tous les couloirs sans passer par quatre chemins. Passe par chez moi et je t'en ferai voir toutes les couleurs comme ces gentils bêtes de foire. Sachant qu'ils se pètent le foie, tu vas rentrer screen ce soir pour masquer toutes ces douleurs. Alors pourquoi tu tournes la tête? Tu devrais laver le rideau, car la vérité ne se cache pas sous la couette mais sous l'écart. Ouais, tu cherches même sous les draps, mais tous ces cartes et bourrées de rage, tu ne serais pas tout admettre. Alors merci à ces délits qui marcellent assez de loin pour me sortir les mains des poches et pas pour s'amuser des pinches. Mais for you in the club, party, party, turn it up like a Harley, Harley. Harley is the best food, always forbidden. I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I think you want a white horse in a carriage. I need it right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Donc je vous explique le délire, en fait on était chez H&M et il y a un vendeur, il a commencé à me parler et tout, il m'a dit qu'il y avait un, enfin, je savais qu'il y en avait un mais je sais pas où exactement, il m'a dit que le terrain de basket super coloré en Paris, il était près de Montmartre, il m'a donné l'adresse, donc ici on est en route, on a repris le métro et on va aller voir ça, peut-être faire un petit shooting ou quoi, on va voir. De toute façon, je vous ferai des petits plans sympas. Qu'est-ce que t'en penses? Putain, elle part jamais, elle est timide. Ben on y repart, on va refaire un petit tour au Sneakerness, voir ce qu'il reste à voir, s'il reste des petites pépites ou quoi. Another beat by Mr. 300 Momo Production. Yo, salut tout le monde, alors voilà, c'est un petit peu chaud ici, j'ai rien su vous filmer du reste de l'après-midi, donc on était au Sneakerness, puis on a dû faire un petit truc pour ma copine, et puis en fait on s'est rendu compte qu'on était blindé à la gourde pour le train, donc c'était la course, on l'a eu, mais à 10 secondes près il démarrait, donc ici on est à Lille-Flandre et je vais retourner sur tournée, donc il n'y aura plus grand chose à dire, j'espère donc que ce vlog vous aura plu, et que j'aurais pu vous montrer des belles chaussures, et vous faire visiter un petit peu Paris pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on se retrouve sur la semaine prochaine pour où je vais vous présenter tous les achats que j'ai pu effectuer à Paris. Et donc voilà, si cette vidéo ne vous a plu, enfin cette vidéo, ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à la partager, à commenter, ça me ferait vraiment super plaisir. Salut, à la prochaine !